Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo concernant les raids 7 étoiles sur Pokémon Écarlate et Violet. Cette fois-ci, ça sera Typhlosion qui apparaîtra dans les raids, donc à partir du vendredi 14 avril jusqu'au lundi 17 avril, et il reviendra le vendredi 21 avril jusqu'au lundi 24 avril. Donc comme d'habitude, pour pouvoir débloquer ces raids le jour du raid, il faudra aller dans Cadeau Mystère, recevoir les actus Poképortail, hop, et votre raid apparaîtra sur la carte avec le cristal noir, comme on peut le voir à l'écran. Donc on va un petit peu parler du raid de Typhlosion. Alors concernant Typhlosion, bah de base il est de type feu, donc comme vous le savez tous, hein, de toute façon, là donc avec le Terra Crystal Spectre, donc il sera sûrement faible contre les attaques normales et ténèbres, et sera vulnérable aux attaques de type Spectre et ténèbres. Donc on va chercher les Pokémon qui seront le plus apte à pouvoir tanker déjà les attaques et pouvoir le faire le plus de dégâts possible. Sur sa fiche de statistiques, on voit qu'il a un très bon pool de statistiques, donc ça va être un peu plus compliqué. Ça va être un raid, je pense, qui va faire mal par rapport à Clamiral, où le raid était vraiment, je trouve, facile de notre côté. Donc il a de fortes chances d'attaquer en attaque spé, parce que je vois que par rapport à ses statistiques, il est quand même assez élevé là-dedans. Il a une défense normale, une défense spé normale, équilibrée, on va dire. Donc après, on va voir ce que ça va donner. Il a une très bonne vitesse, donc on va vraiment se concentrer sur un Pokémon qui va pouvoir terminer ce raid. Donc n'hésitez pas à rester sur la chaîne. La vidéo sortira vendredi dans la journée pour vous expliquer comment réussir le raid Typhlosion. Donc j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, comme d'habitude, à quel Pokémon vous pensez, pour pouvoir un petit peu échanger avec vous. Et puis moi je vous dis à très très vite, hein, pour pouvoir faire ce raid ensemble. Allez, à bientôt. Ciao ciao, c'était Nico.